Salut à toi, c'est Mister Jim et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Après là, c'est la chaîne cinéma. On en parle de suite, jingle. Aujourd'hui, je vais te parler de cinéma. Non, pas celui-là. Ta gueule, ils s'en battent les couilles en fait. Ouais, t'as raison. Je vais te parler plus précisément des stéréotypes dans le cinéma américain. C'est quoi un stéréotype? Oui, alors, un stéréotype, c'est un cliché. Mais c'est quoi un cliché? Mais alors, un cliché, c'est une manière, on va dire péjoratif, de voir une situation, une façon de vivre, une culture, etc. Alors, on va commencer ces clichés par le flic chez les Américains. Le flic chez les Américains, c'est, on va dire, le summum du cliché. Hein. T'as la scène du poste de police chez eux, où le flic se balade toujours avec le café et le donut. Tu sais, comme dans les Simpsons. Voilà, je sais pas du tout faire la voix. Et d'ailleurs, en parlant de café, je pense qu'ils savent pas ce que ça veut dire expresso, quoi. Là-bas, on ne voit aucune machine, on l'entend jamais couler le café. Et là, il arrive, il est toujours chaud. Fait qu'ils arrivent devant une machine à café. Oh, merci. Vas-y, Georges, parle-moi de l'affaire. Hein? Non, mais j'entends pas. Il est mort où? Non, mais ce putain de café, là. Ouais, bon, vas-y, je t'écoute, alors. Ouais. Ouais, mais les Américains, le donut, tu vois, l'avantage, c'est que ça casse jamais, tu vois. Dans les films d'action américains, il y a souvent des scènes de course-poursuite en bagnole où il est tiré une multitude de balles. C'est d'ailleurs indécent. Et d'ailleurs, on se demande, les gars, où est-ce qu'ils ont appris à tirer? C'est quand même incroyable que les mecs ne savent pas viser un pneu. Comme les mecs t'as battu à une mouche à 2 km, ils sont pas capables à 200 mètres ou à 20 mètres à tirer dans un pneu. On dirait que c'est lui qui conduit là. On va tirer sur une étoile ou sur un policier, sur le terre-plein ou sur un vieux pépé. Je veux tout détruire sur mon passage, même le gros Dédé. Dans le même ordre d'idées, quand t'as une scène d'action entre des méchants et des gentils, t'as aussi des tirés une quantité de balles astronomique. Et là, c'est pareil, t'as toujours à un moment donné ce cliché-là où le méchant, il a plus de munitions. Et lui, avec des mitraillettes, des calages, le mec, il se finit toujours à ne plus avoir une seule balle. Quand même assez incroyable. Pourquoi toujours les gentils dans les pistolets? Moi, j'ai toujours les trucs à la con, là. J'en ai marre, moi. Je m'en vais, je joue plus. Alors que le gentil se retrouve avec un Colt 6 coups et lui, il tire en foison. Un truc qui me plaît bien dans les clichés dans le cinéma américain, c'est la bombe. Ouais, la bombe, c'est quoi la bombe? Mais non, pas celle-là de bombe. On en parle après. La bombe qui explose. Je sais pas si tu as fait gaffe, dans tous les films américains, t'as toujours un mec qui redécouvre une bombe et un mec qui la désamorce. Hein? Et comme par hasard, elle se désamorce juste à une seconde, elle se stoppe. C'est quand même fou, ça. Il y a guère que dans James Bond, tu noteras que c'est à 007. Tu as vu la culture, là. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, j'ai pas fini mon café, moi. On remarque, ça pète bien la dernière seconde, ça. T'as pas attendu quand j'ai fini mon café, moi. Merde. Oups, merde! Je sais que tu voulais que j'en parle, je vais en parler de la bombe, mais l'autre, c'est-à-dire les femmes dans les films américains. Et c'est souvent le cliché le plus répandu, une blonde à forte poitrine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, mais il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis plutôt Nathalie portable et... ou Gwyneth pas trop. Pas trop, pas assez même, voilà. Alors, ta gueule, ok? Dans les scènes de sexe chez les Américains, là aussi, il y en a beaucoup à dire. Je passe ce qui se passe avant, ça ferait un peu cliché. Mais en attendant, une fois que c'est terminé,
Le type se lève tranquille, il a déjà le calbute gros dégueulasse. Et la fille, elle est dans le lit, nickel, brochinguée, je sais pas si ça se dit, et le maquillage impeccable. Non mais moi, les femmes, il n'y a pas une scène de sexe, ça fume dans le lit. Oh putain, tu m'as défoncé, hein. Je sais pas comment elle fait la téléportable là. Putain, pour avoir le brushing nickel là, et le maquillage qui tient la route, regarde-moi ça, pardon. On dirait que j'ai embrassé le cul d'une cochon. Tu as vu la gueule que j'ai. Et puis après, on a le cliché, il fallait que je le fasse, sur les étrangers aux États-Unis. Alors là, j'aurais pas assez de cette vidéo pour en parler, mais je vais quand même en parler. Prenons par exemple les blacks. Aux États-Unis, ils sont rappeurs, ils fument la ganja, et ils habitent à Harlem. Ah, comme ça, dans les clichés, t'as tout fait. Et le plus souvent, même si ça a tendance à changer aujourd'hui, il meurt avant la fin. Hein, comme ça, tu peux pas y couper, t'as pas un noir qui va jusqu'au bout. Hop, on tue le black avant la fin. Voilà, même s'il est gentil. Et il y en a un autre, c'est les Chinois. Alors les Chinois, ils font tous un sport de combat, bien entendu, et puis ils sont tous ceinture noire. Ils mangent du riz, ils ont un accent à coucher dehors. Mais c'est horrible leur accent. Alors c'est plutôt souvent le doublage français. Et puis le français, tu veux voir comment ils nous le clichette. Ça fait pas cliché comme ça. Il n'y a même plus que les capotes et c'est le bon vieux français. Hein? Alors les clichés au cinéma américain sont légion. On peut dire qu'aujourd'hui, quand même, ça a tendance à s'amenuiser, mais il s'en crée d'autres et on en parlera dans une autre vidéo. En attendant, moi je t'invite, si c'est pas un cliché, à t'abonner, à liker cette vidéo si tu as aimé et à me laisser un commentaire et me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Surtout ce que tu attends de moi pour les prochaines. Je compte sur toi, n'oublie pas non plus de partager à tes amis. Je te fais une bise et je te dis à la semaine prochaine.